Alors, il y a deux petites filles qui sont vraiment des jeunes. Thank you.
C'est la vidéo. Catala per l'année. Fais semblant de travailler, homme. Alors, regarde par là, un peu là. Voilà, un peu, souris. Oh, ah, chérie, je t'aime. Ta femme est là. Chérie, je t'aime. Au-delà de représenter le club, je pense que c'est le tissu social et local qu'il faut représenter et en même temps aider dans ce genre de situation, je pense que c'est normal. En tant que sportif En tant que sportif, en tant que père de famille, en tant qu'acteur du sport local, c'est sur tous les plans, je pense que l'association est importante. Ben, non, aujourd'hui, je n'en connais pas, mais comme je l'ai dit, en tant que jeune papa, on sait que ça peut tomber sur n'importe qui, donc on n'hésite pas à venir donner un coup de main si on peut. Au-delà des Dragons, comme on l'a dit, il y a toutes les associations, les différents clubs. Je pense vraiment que c'est important, on l'a déjà vu, si les parrains sont Greg Mounis, mais je crois aussi que j'ai vu des joueurs de l'USA, Adrien Planté et d'autres, c'est vraiment important. Donc, que ce soit 13, 15 ou Taekwondo, comme j'ai pu en voir ici aussi, c'est important pour tout le monde. Voilà. Merci monsieur, au revoir. Je suis un contemplatif. C'est pour la télé. C'est pour la télé. Les faire 3, ils sont en glace. C'est quoi? Oh, ça fait... C'est tout d'abord d'apporter un peu ma mini notoriété pour faire avancer cette cause. Et puis j'ai rencontré Armand qui m'a expliqué en gros ce qu'était la maladie. Et c'est vrai que c'est assez touchant. Et de pouvoir même piquer dans cette association, je me suis dit oui.
ben, c'est certain que ouais, comme je disais tout à l'heure, on arrive à ramener peut-être du monde quand il y a ces événements-là. Donc oui, c'est, ça fait partie du métier. Ouais. Mais bon, j'ai vu quand on a donné le coup d'envoi du match, et bien sûr qu'il faut aider ces, ben, ces personnes, parce que c'est vrai que cette maladie, elle touche de plus en plus de monde, et que voilà, il faut tout faire pour que ça aille mieux, au moins dans leur quotidien. On vient avec le point information jeunesse parce que quand il y a des mouvements comme ça pour d'autres personnes, en général on est là. Comment expliquer ça? On a fait des crêpes pour aider à faire des sous pour l'association, et si c'était à refaire, on le referait, et c'est avec plaisir qu'on le fait. Et voilà. Ben, il faut partir du principe qu'il faut tendre la main à son prochain. Si un jour on veut qu'on nous tende la main et qu'on a besoin, en faisant un geste pour quelqu'un, peut-être qu'on nous renverra le geste. Les yeux et le sourire de
vue là-bas dans le ciel. Excellente journée. Apparemment, les résultats sont plus que positifs. Tout le monde y a mis du sien. Il n'y a qu'à se tourner pour voir qu'ils sont déjà en train de tout ranger, de tout mettre en place et tout se fait naturellement. L'année prochaine, on se donne le rendez-vous le dernier dimanche de septembre, en espérant le ciel bleu, le beau temps, le double de participants et puis que dans très peu de temps, on arrive à trouver le remède qui soigne nos enfants. Parce que le but, il est là.